Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce mardi le 13 août 2024. On commence sans plus tarder notre actualité avec le Premier ministre, Dr Mustapha Madbouly, qui a effectué hier une tournée d'inspection dans la région du plateau des Pyramides. Le chef du gouvernement a inspecté les travaux du projet de modernisation à l'entrée de la zone antique. Il a à cette occasion rappelé que les travaux de restauration étaient à la hauteur de la valeur civilisationnelle de la zone antique. Voici un commentaire. Le Premier ministre Mustapha Madbouly, accompagné du ministre du Tourisme et des Antiquités Chérif Fatri, du gouverneur de Gizeh Adel Nagar, du gouverneur adjoint Hind Abdel Halim, du docteur Mustapha Ismail, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, et d'un certain nombre de responsables du ministère du Tourisme et des Antiquités, a inspecté l'aménagement de l'entrée de la zone archéologique du plateau des Pyramides. Le Premier ministre a souligné qu'il tenait à effectuer cette visite après la réunion qu'il a tenue dimanche pour assurer le suivi des travaux exécutés conformément aux objectifs fixés, compte tenu de l'importance de cette zone archéologique en tant qu'attraction majeure pour les touristes entrants qui sont toujours désireux de visiter les pyramides et d'explorer les secrets de l'ancienne civilisation égyptienne. M. Madbouly a déclaré que les travaux d'emménagement réalisés en fonction de la valeur culturelle de la zone archéologique contribuaient à améliorer l'expérience touristique des visiteurs, créant un impact positif qui les incite à répéter l'expérience et à la promouvoir dans leur pays afin d'attirer davantage de visiteurs. Lors de sa visite, le Premier ministre a inspecté une partie des travaux réalisés et en cours pour développer l'entrée de la zone archéologique du plateau des Pyramides, accompagné d'une explication de M. Fatri, ministre du Tourisme et des Antiquités. Oui, il a inspecté le développement des portes d'entrée situées sur la route Le Caire-Fayoum, qui seront les principales portes d'entrée de la zone lorsque le projet ouvrira bientôt, en plus d'inspecter le chemin d'entrée à partir de ces portes, de créer des moyens de confort et de sécurité pour les visiteurs, y compris des parapluies, des systèmes d'éclairage modernes, et d'organiser des bus touristiques pour entrer par ces nouvelles portes et s'arrêter dans des parkings dédiés qui peuvent accueillir environ 1000 voitures et bus. La visite a également passé en revue les chemins qui seront suivis pour le déplacement des visiteurs dans la zone archéologique du plateau des Pyramides, qui se fera par des moyens de transport électrique sûrs, qui tient compte des normes environnementales et permettent aux visiteurs de profiter d'une vue agréable sur le monument de la zone pendant leur déplacement, ainsi que les chemins qui seront suivis pour le déplacement des chevaux et des chameaux, ainsi que des cars et la réglementation du travail des vendeurs ambulants dans la zone, conformément à des terminants civilisés proportionnels à la valeur historique de la zone. Et justement, pour nous parler de ce projet, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Monsieur Simon Sawyer, guide touristique ou expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'au cours de ces dernières années, il faut le dire, le plateau des pyramides a été transformé de plusieurs manières. Plusieurs projets ont été établis et c'est vrai qu'on commence à voir le résultat sur ce site. L'objectif, bien évidemment, c'est de faciliter la visite aux touristes, mais aussi de faire découvrir d'autres sites, ou plutôt de revoir le site, mais d'une autre manière, n'est-ce pas? Exactement. Alors, le projet qui a eu lieu sur le plateau des Pyramides est bien sûr qui est le site archéologique le plus célèbre du monde, le site qui abrite les plus célèbres de toutes les pyramides, Khéops, Khéphren, Mykérinos, ainsi que le Sphinx. C'est un site emblématique et non pas seulement une attraction touristique majeure, mais c'est un symbole de l'ancienne civilisation égyptienne. Et durant les dernières années, beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour moderniser et développer la région tout en préservant son héritage historique. Plein de travaux qui ont eu lieu pour la conservation et la restauration et la préservation des pyramides et des monuments associés est une priorité essentielle. Et les autorités égyptiennes, en collaboration avec des experts internationaux, ont entrepris
divers projets de restauration pour maintenir l'intégrité structurelle des pyramides et du Sphinx. Et cela, il inclut le nettoyage des pierres, la réparation des fissures et la protection contre l'érosion qui est causée par le vent et le sable. C'est une infrastructure touristique fabuleuse que l'État est en train de réaliser pour améliorer l'expérience des visiteurs. On est en train de faire énormément de développement autour du plateau et cela, il comprend la construction de nouvelles routes d'accès, des parkings, aussi bien que des centres d'accueil pour les touristes. Et ces initiatives, elles visent à gérer le flux des visiteurs de manière plus efficace et à réduire l'impact environnemental du tourisme de masse. On a bien réalisé un centre de visiteurs et musée très moderne qui va créer et offrir des informations éducatives et culturelles sur l'histoire et l'importance des pyramides. Et de plus, on a aussi bien le grand musée égyptien qui est situé à proximité du plateau et cela est en train de finalisation. Et ce musée qui sera l'un des plus grands du monde consacré à une seule civilisation, il exposera de nombreux artefacts précieux et dans les objets issus de la tombe de Toutankhamon. On n'oublie jamais la technologie et l'innovation qui ont joué un rôle crucial dans la gestion et la promotion du site. Des systèmes de billetterie en ligne ont été mis en place pour faciliter l'accès des touristes, aussi bien que des applications mobiles qui offrent des visites guidées virtuelles et de plus des techniques avancées telles que la numérisation 3D et l'imagerie satellite qui ont été utilisées pour surveiller l'état des monuments et planifier les interventions de conservation. Énormément de projets de développement durable et les efforts se font pour intégrer des pratiques de développement durable dans la gestion du plateau. Et cela comprend l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et la gestion efficace des déchets et la sensibilisation à l'importance de la préservation de ce patrimoine culturel pour les générations futures. Il y a beaucoup de défis et considérations et il y a un progrès significatif. Et on peut dire qu'il y a une nécessité toujours de concilier le développement moderne et la préservation historique, aussi bien faire un repère de l'urbanisation croissante autour du site, et la pression du tourisme, elle nécessite une planification minutieuse pour éviter, il faut toujours éviter de compromettre l'intégrité culturelle du plateau. Alors, le développement et la modernisation du plateau des pyramides, elle vise à offrir une expérience enrichissante aux visiteurs, tout en protégeant ce trésor historique pour les générations futures. Et les initiatives. Oui, je vous écoute. Alors, votre réponse a été complète. Je n'ai plus rien à ajouter. Vous avez été parfait, comme d'habitude. Monsieur Simon-Sayer, merci à vous d'avoir participé à notre programme. Malheureusement, notre temps est très limité. Merci encore une fois. On enchaîne rapidement avec l'actualité. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelhati, qui a remis au président rwandais, Paul Kagame, un message du président Abdel Fattah el-Sisi portant sur les moyens de renforcer les relations bilatéral et ce lors de sa visite à Kigali pour assister à la cérémonie d'investiture ou de réinvestiture du président Kagame pour un quatrième mandat. Voici les détails.
Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelrati, s'est entretenu avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Nuhungirehe, et ce en marge de sa visite à Kigali, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Monsieur Abdelrati a souligné lors des pourparlers l'intérêt particulier qu'attache le président de la République aux relations Égypte-Afrique, surtout les relations engagées avec les pays du bassin du Nil, qui sont liés avec l'État égyptien par un seul destin, afin d'atteindre les objectifs communs qui sont dans l'intérêt des peuples de cette région. Il a jugé nécessaire dans ce cadre le règlement des problèmes du continent par des solutions et des initiatives africaines qui prennent en compte les conditions particulières des pays du continent. Monsieur Abdelrati a de même mis l'accent sur l'engagement actif de l'Égypte dans le continent noir via son membership au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, sa présidence du COMESA et le rôle pionnier du chef de l'État dans le dossier de la reconstruction et du développement post-conflit au niveau de l'Union africaine. L'Égypte, a-t-il précisé, est prête à relever le niveau du dialogue politique engagé avec le Rwanda, relancer les travaux du comité mixte afin de confronter les rapports bilatéraux et ouvrir de nouveaux horizons pour la coopération aussi bien que son désir de promouvoir les relations bilatérales pour répondre aux aspirations des deux pays, surtout sur les plans économiques et d'investissement. Le ministre s'est félicité de l'affectation par le côté rwandais d'une zone logistique à l'Égypte pour faciliter l'accès des sociétés et des investissements égyptiens au marché rwandais prometteur. L'Égypte tient à soutenir les frères rwandais dans les secteurs axiaux, dans la gestion des ressources en eau et la santé, et aspire à l'achèvement des travaux de construction du centre de cardiologie du Magdi Yacoub, qui fera du Rwanda un centre régional de services thérapeutiques pour servir les citoyens du centre et de l'est du continent, a-t-il fait savoir, ajoutant que l'État égyptien espère également dynamiser l'Agence africaine du médicament pour qu'elle tire profit de l'expertise égyptienne en ce sens. En marge de sa visite à Kigali, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelrati, s'est entretenu avec le président djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, des relations bilatérales et de la situation régionale. Le porte-parole de la diplomatie égyptienne, l'ambassadeur Ahmed Abouzed, a déclaré que le ministre avait transmis au président djiboutien les salutations du président Assisi, ajoutant que les discussions avaient porté sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales et les derniers développements régionaux. Le vice-premier ministre et ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El-Wazir, a affirmé que le président Abdel Fattah El-Sisi a enjoint d'éliminer tous les obstacles qui entravent les investisseurs de l'industrie, et ce pour assurer une relance rapide de l'industrie égyptienne. Au cours de sa réunion hebdomadaire avec les investisseurs au siège de l'Autorité générale pour le développement industriel, Kamel El-Wazir a affirmé que l'État œuvre pleinement pour transformer l'Égypte en un centre industriel régional international. El-Wazir a ajouté que l'État tenait à étudier les problèmes des usines en difficulté et à trouver des solutions non traditionnelles pour la reprise du fonctionnement de ces usines afin de préserver les droits des ouvriers. Le ministre de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, Mahmoud Resmat, a rencontré hier le président du groupe grec Copelouzos, Dimitros Copelouzos, pour passer en revue les derniers développements du projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce en direction de l'Europe. La réunion a également porté sur l'avenir des énergies renouvelables, la maximisation des rendements et l'exploitation des ressources naturelles en Égypte dans le cadre de la stratégie de l'État et du plan d'action du ministère de l'Électricité et des Énergies Renouvelables concernant la dépendance à l'égard des énergies propres et la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles. Le ministre a mis l'accent sur la grande importance du projet d'interconnexion électrique pour la réalisation du développement durable et la transformation de l'Égypte en plaque tournante régionale pour l'échange d'énergie.
Les activités de l'exercice aérien égypto-français Amon 24 ont pris fin hier. Cet exercice, qui s'est déroulé pendant une longue durée dans plusieurs bases aériennes égyptiennes, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération militaire entre les forces armées égyptiennes et françaises. L'exercice a démontré le niveau professionnel des effectifs participants et fait preuve de la coordination continue entre les deux pays dans le but d'améliorer la compétence des opérations aériennes conjointes. Un nombre de commandants de l'armée de l'air des deux pays ont assisté à cette cérémonie, outre une délégation de représentants de l'ambassade de France. Et enfin, en Égypte, et en application du décret présidentiel numéro 324 de l'année 2024, pris par le président Abdel Fattah el-Sissi, 605 détenus âgés dont l'état de santé se détériore ont été libérés conformément à la stratégie nationale des droits de l'homme. Le secteur de la protection communautaire du ministère de l'Intérieur a libéré les condamnés concernés par cette décision de tous les centres de réadaptation au niveau de la République. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Net Internationale. Au revoir.